Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétro Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo solde été 2022. Alors est-ce qu'on va trouver du lourd? Est-ce qu'on va trouver des jeux tout pourris? La réponse en vidéo. Monsieur Rétro Jeux. Monsieur, ça va? Ça va et toi? C'est à moi les jeux. Allez, bonne chasse. T'as acheté quoi toi? Bon, du coup, ça va, ouais. Ah ouais? Il y en a là en dessous aussi. Hein. Ah ouais? Ah ok. Ah merci. Super. Ça va ou quoi? Tu vois? Qu'est-ce que tu as trouvé toi? Bah, je suis allé voir MGG, ça c'est un petit bisomol de l'observeur qui revient à... Il n'y en avait qu'un celui-là? Ouais. Il était là en dessous, mais il y en a sur Xbox. Ah ouais, bon, sur Xbox. Il y a le Super Mario qui revient un peu trop cher.
Blade Fury. Celui-là, je vais en prendre que sur une plateforme. Poison Control. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est un petit jeu de plateforme. Le Avicii, qui est un super jeu de rue. De Asterix Obélix et l'édition de Gardien de la Galaxie. Ouais, j'ai hésité, celui-là, ça revient à quel prix? Bah, je sais pas, faut que je regarde, ça fait 90 moins 70, je crois. 90, c'est cher, un peu de bazar. Et donc, c'est celui-là? Et ça, c'est quoi comme style de jeu? C'est un jeu un peu horreur. Ouais, vu le prix, ouais. Ouais, je pense que je vais le prendre sur Xbox. Comme vous avez pu le voir, cette année, j'ai encore pu faire quelques petites trouvailles, quoique ça a été assez compliqué à trouver des choses. Par exemple, quand je suis allé chez Cultura, il y avait masse de monde autour des peu de casiers. Je trouve que c'est assez mal foutu, ils devraient faire un truc un peu plus large. Pour pouvoir chercher les jeux vidéo, il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient pour pas beaucoup de jeux vidéo. On va commencer par les soldes que j'ai pu acheter chez Carrefour. Alors chez Carrefour, j'ai pu faire quelques petites affaires, mais j'ai était un petit peu déçu, moi qui cherche beaucoup les Amiibo pour compléter ma collection. J'ai pu trouver un seul Amiibo au prix de 7€. Il s'agit du Amiibo de Banjo et Kazooie. Celui-ci, je le trouve vraiment super joli. De toute façon, au final, j'adore les Amiibo. J'avais dit il y a quelques temps que je faisais pas la collection des Amiibo, mais je les achète uniquement en solde. Donc 7€ pour celui-ci. Et ensuite, j'ai acheté deux petites goodies pour ma vitrine Zelda, parce que je vous l'ai dit que prochainement j'allais faire une vitrine à l'effigie de Zelda, donc avec des figurines de Zelda, avec des jeux vidéo de Zelda dedans. Et donc je me suis dit pourquoi pas prendre ces deux petites choses. Donc ce sont des figurines Microland, donc de World of Nintendo, qui représente ici Wind Waker. Et la deuxième, c'est trois petits personnages, encore une fois, de Wind Waker. Alors celle-ci, je l'ai trouvée chez Cultura. Et la première, en fait, je l'ai trouvée chez Carrefour et je l'ai payée 11€. Et chez Cultura, j'ai vraiment pas payé grand-chose. C'était 7,99€ moins 70%, ce qui fait environ 2,50€ pour ce petit pack. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et pour la collection, bah, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, les jeux vidéo que j'ai pu acheter chez Carrefour, il y avait vraiment pas grand-chose. J'ai été assez déçu cette année. J'ai pris 3 jeux PS4 et un jeu Switch. Je vous montre les jeux PS4. Le premier, c'est Hades. Alors celui-ci, je l'avais vu passer dernièrement sur Internet. Lutter pour échapper aux enfers, défier le dieu des morts. Effrayez-vous un chemin entre les enfers dans ce roguelike en mode dungeon crawler. Un jeu roguelike en 3D isométrique. Celui-ci avait l'air vraiment sympa. Ensuite, je me suis pris un Nioh, donc sur PS4 à 10€. Nioh qui était un jeu que je voulais posséder dans ma collection. Celui-ci, vraiment très difficile de mémoire.
Et le troisième jeu PS4 que j'ai pu prendre, c'est World of Final Fantasy. Capturer, personnaliser et évoluer, une sorte de Pokémon en fait, avec les personnages de Final Fantasy. 5€ celui-ci, c'est vraiment pas cher. Et le dernier jeu, il s'agit d'un jeu Switch que j'ai pu acheter pour la somme de 13,35€. Il s'agit de Monster Hunter Rise. Celui-ci, explorer des écosystèmes luxuriants, affronter de redoutables monstres et fabriquer un équipement surpuissant. Les Monster Hunter qui sont des jeux excellents dans lesquels en fait vous devez combattre des monstres et faire toute une stratégie par rapport à ça. Vraiment, j'aime beaucoup ce type de jeu et donc très content. Même si à Carrefour il y avait vraiment pas grand chose, je pensais vraiment trouver beaucoup de Amiibo et j'en ai trouvé un seul, donc un peu déçu à ce niveau-là. Ensuite, on va passer au sol de chez Cultura. Donc au final, c'est ces deux magasins-là que j'ai pu faire principalement, parce que les autres me déçoivent assez souvent. Et donc j'ai décidé en fait de faire Carrefour et directement d'aller chez Cultura. Et chez Cultura, ça a été assez compliqué, il fallait un peu battre des coudes pour aller chercher les jeux vidéo. Ce que j'ai fait, et j'ai pu trouver deux jeux PS5, voilà, mes deux premiers jeux PS5 achetés en solde. Et pas n'importe lesquels, vous allez voir. Le premier, c'est Back 4 Blood. Alors moi qui étais fan de la licence Left 4 Dead, en fait, c'est un revival de ce jeu. Celui-ci, il s'agit d'une édition spéciale payée 69,90€ à moins 70%, ce qui nous fait 21€ exactement pour ce jeu, le Back 4 Blood sur PS5. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne affaire pour celui-ci. Et n'hésitez pas vous à dire ce que vous avez pu trouver en solde dans l'espace des commentaires. Et le deuxième jeu PS5 que j'ai pu trouver, il s'agit de Dark Alliance. Moins 70%, ce qui fait 6€. 6€ le jeu PS5 en solde. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne affaire ou pas celui-ci, je ne le connais pas du tout. Mais j'ai vu le prix, je me suis dit bon, c'est à tester sur PS5. Ensuite, j'ai pu acheter deux jeux Xbox One. Toujours pareil, à moins 70%, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Alors j'ai pris celui-ci, il était aussi sur PS5, mais malheureusement, la personne juste avant moi m'a dit ben, qu'il avait pris le dernier. Observe, je ne connais pas du tout, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Le Day One Edition à 29,99€, moins 70%, je vous laisserai faire les calculs, je pense que je vais pas dire le prix à chaque fois. En fait, vous multipliez tout simplement le prix par 0,3 si vous voulez avoir le prix. Donc 29,99€, autant dire 30€. Celui-ci, donc pour il s'agit de mon premier jeu que j'achète en solde pour la Xbox Series X. Ensuite, le deuxième jeu Xbox, là, il s'agit d'un jeu Xbox One. Le Mortal Kombat 11, celui-ci a l'air vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de la licence Mortal Kombat, si celui-ci vaut le coup. À 19,99€, moins 70%, c'est un excellent prix pour celui-ci. Ensuite, j'ai pu acheter un seul jeu PS4. Tous les jeux PS4, je pense qu'ils sont partis juste avant que j'arrive. Pourtant, je suis arrivé 2-3 minutes après l'ouverture du magasin. J'ai été tombé sur un lent sur la route. Il m'a cassé les... Franchement... Il roulait super lentement, je me suis dit « Non, c'est pas possible, j'arrive en retard !» Enfin bref, moins 70% celui-ci, il m'a interloqué, le Xuan Yan 7. Je connais pas du tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez celui-ci. J'ai voulu le prendre, je sais pas pourquoi. À moins 70% de 49€, ça fait 15€, ça mange pas de pain pour tester celui-ci. Et ensuite, j'ai pris toute une flopée de jeux Switch, que voici, tous à moins 70%. Le premier, il s'agit de Neo The World End Review à 59,99€, moins 70%. Celui-ci, que je ne connais pas du tout, mais ça a l'air vraiment sympa. Une sorte de RPG, j'ai l'impression. De Square Enix, bien entendu. Donc moi, j'ai eu Square Enix, je me suis dit, ça a l'air d'être du bon. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le Disque A6 Defiance of Destiny, à moins 70% de 60€. De toute façon, ça, c'est une série phare, les Disque A. Et je pouvais pas manquer celui-ci. Je voulais absolument dans ma collection. Je veux absolument tous les 10 gars dans ma collection. Ensuite, je me suis pris un SNK Heroine Tag Team Frenzy. Il s'agit d'un jeu de combat avec les personnages de SNK. Ça a l'air vraiment pas mal celui-ci. À moins 70% de 49,90€. Ensuite, j'ai pris le Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Celui-ci à 49,99€. Moins 70%, ça c'est pareil, hein, c'est du lourd les gars. Tous des bons jeux, de toute façon j'ai pris que des bons jeux je pense. Ensuite j'ai pris le Paper Mario Origami King. Alors celui-ci,
Il a un peu un moins de côté RPG, c'est plus vraiment du combat, même les combats sont limite inutiles, mais rien que pour l'aventure et le plaisir de jouer avec Paper Mario, pour le côté aventure et RPG, ça vaut le coup. Ça fait 15€ le jeu, donc c'est vraiment pas très cher. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc à 49,99€, moins 70%, le Disgaea 4, que je possédais pas dans ma collection. Donc là, je rentre deux Disgaea dans ma collection. Il y a le 4 et le 6. C'est dommage qu'il n'y avait pas le 5, d'ailleurs. Je l'aurais pris aussi. Ensuite, je me suis pris un No More Heroes 3. Donc que du lourd, les gars. Hein. Affronter ce que l'univers a de pire à vous offrir, le nouvel épisode de la série No More Heroes. 44,90€, moins 70%. Et le dernier jeu que j'ai pu acheter en solde cette année, il s'agit de celui-ci, le Persona 5. Vraiment, ça c'est typiquement voilà le genre de jeu que je cherche en solde. Moi en solde, je cherche du Mario, du Zelda, du Pokémon et du RPG principalement. Et ben, vous voyez que j'ai pas dérogé à la règle, à part pour certains jeux. Le jeu ici que je voulais découvrir, le Dark Alliance que je voulais découvrir, le Back 4 Blood sur PS5 aussi, je pouvais pas passer à côté d'une promotion comme celle-ci pour un jeu PS5. Et donc, je vous montre les trois dernières choses que j'ai pu acheter en solde. Des petites choses plutôt sympas. Je me suis pris un jeu de cartes Dragon Ball. Là, c'est Dragon Ball Super Card Game Premium Pack, le deuxième pack, à 19,99€, moins 70%, ça fait vraiment pas grand-chose. Ça fait 6€ le paquet de jeux. Alors, je sais pas du tout ce que ça contient. Éventuellement, peut-être faire un petit unboxing de celui-ci en vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, ce type de unboxing sur ma chaîne. Et ensuite, on va terminer par deux cadres en 3D. Alors, je pense que le rendu ne donnera pas le rendu vraiment qu'on peut voir en vrai. Il s'agit des cadres qui ont un effet 3D. Quand on les regarde, ça, on a vraiment l'impression d'avoir ici le carré, la croix, le triangle, le rond, en fait, qui ressortent du cadre. Pour la déco, pour ma nouvelle gaming room, qui arrivera prochainement, moins 70% de 14,99€. Ça fait environ 5€ le cadre, je pense. Donc c'est vraiment pas cher, donc j'ai pris à l'effigie de PlayStation, et le deuxième c'est à l'effigie de Call of Duty, parce que vous le savez sur ma chaîne, je suis fan de Warzone, donc qui est un épisode de la série Call of Duty, et donc je me suis dit, voilà, pour la déco, pour faire éventuellement une vitrine Call of Duty avec tous les jeux Call of Duty, ça pourrait faire pas mal avec ce petit cadre, donc 5€ le cadre, ça mange pas de pain, et ils sont vraiment très très jolis avec l'effet 3D, ça rend vraiment super bien. Voilà, donc c'est terminé pour la vidéo solde de cette année. J'espère que vous avez pu trouver des petites choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Tout de suite! Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao, ciao! Et oublie pas de t'abonner, toi. T'as oublié d'appuyer.